Je n'ai plus en ce monde ni prochain, ni semblable, ni frère. Je suis sur la terre comme dans une planète étrangère où je serais tombé de celle que j'habitais. Ayant donc formé le projet de décrire l'état habituel de mon âme dans la plus étrange position où se puisse jamais trouver un mortel, je n'ai vu nulle manière plus simple et plus sûre d'exécuter cette entreprise que de tenir un registre fidèle de mes promenades solitaires et des rêveries qu'ils remplissent quand je laisse ma tête entièrement libre et mes idées suivre leur pente sans résistance et sans gêne. Ces heures de solitude et de méditation sont les seules de la journée où je sois pleinement moi et à moi, sans diversion, sans obstacle, et où je puisse véritablement dire être ce que la nature a voulu. Thank you.
one was in the bus, left the bag, and run away. Yeah. Somebody just planted this bomb inside the bus, knowing it will make casualties, and then just leaving and fleeing to make sure that maybe he will be able to carry out additional attacks. But at this point, it is quite unclear whether this guy has succeeded. This kind of things happen. This kind of things happen normally in the city. Well, thanks for goodness sakes, since major operation Defensive Shield, that was some 10 years ago, and with the anti-terror fence, which is largely set up with our neighbors, then life here is quite back to normal. People are here, not afraid as they were used to be. Our doors are not again checkpoints, by the way, as our Pali neighbors used to complain about checkpoints. They made our own doorsteps as checkpoints. And no, people here are happy, and they are, you know, it is the city which never stops. That is the name of the city, and people are still hanging out and drinking beer. And I'm sure in a few minutes or so, the routine is going to be back to normal. That will stop the city. Okay, last question. Were you afraid of Quelquefois, mes rêveries finissent par la méditation, mais plus souvent, mes méditations finissent par la rêverie. Et durant ces égarements, mon âme erre et plane dans l'univers, sur les ailes de l'imagination, dans des extases qui passent toute autre jouissance. Thank you.
Si j'ai fait quelques progrès dans la connaissance du cœur humain, c'est le plaisir que j'avais à voir et observer les enfants qui m'a valu cette connaissance. Thank you.
le résultat que je puis tirer de toutes ces réflexions est que je n'ai jamais été propre à la société civile, où tout est gêne, obligation, devoir, et que mon naturel indépendant me rendit toujours incapable des assujettissements nécessaires à qui veut vivre avec les hommes.